L'odeur du bon café est venue jusqu'à moi. Puis quand j'ai vu la lumière de ma fenêtre, j'ai pas pu m'empêcher de monter. Même au Saguenay, c'est jamais aussi beau quand le soleil se lève. Excusez-moi, vous êtes en train de réfléchir, puis je vous dérange. Si je réfléchissais vraiment, ce serait sans doute vrai, mais j'étais plutôt dans de la jonglerie, par-dessus la tête. Étant donné que ça a été comme ça toute la nuit, je devrais me contenter de prendre un premier café. Puis moi, je vais m'en retourner en bas. Je disais pas ça dans cette intention-là. Mais si vous avez besoin d'être seule... Je l'ai été depuis hier soir. Sans que ça m'avance à grand-chose en plus. D'avoir quelqu'un avec moi, c'est sûrement pas pour me déplaire. Café fin prêt, on va le prendre ensemble. Je suis contente que ça soit toi qui vive avec Philippe. Depuis que vous êtes ici à Saint-Fabien, ça se voit à l'œil nu. Vous êtes faites pour elle ensemble. C'est fin de votre part de me le dire. Surtout un matin, quand vous êtes préoccupée comme vous l'êtes. Même quand la logique d'une chose est d'une grande simplicité, on met toujours un peu de temps avant d'être capable de l'accepter. Oh, je disais pas ça pour ce que tu vis avec Philippe, mais de ce qui se passe en moi. J'avais demandé à Philippe de pas t'en parler, mais je suis rassurée qu'il l'ait faite. Rassurée? Oui, ça prouve à mes yeux l'amour qu'il te porte. Pourquoi vous en étiez pas convaincue avant? Philippe est quelqu'un d'impulsif. Ce qui l'amène parfois à subir l'influence des autres sans s'en rendre compte. J'avais peur que sa relation avec toi vienne plutôt de Manu que de lui-même. Avec les gens vraiment ambitieux, c'est important de toujours garder son quant à soi. Pour le parti des régions, vous croyez pas à toute la sincérité de Manu? Je sais que tu es maintenant au courant du contentieux qu'il y a toujours eu entre Manu et Antoine. Malgré les apparences, c'est peut-être pas complètement remisé dans le placard au balai. Un jour ou l'autre, ça pourrait finir par atteindre le parti. Si j'en juge d'ailleurs par les derniers sondages... Mais c'est toujours pareil l'été. Quand le monde profite de ses vacances, il est rare qu'on trouve à se plaindre du gouvernement. Si le parti devait continuer à plafonner comme c'est le cas, il vous resterait quoi comme avenir à Philippe et à toi? Vous n'êtes pas déjà en train de philosopher? J'ai... Ouais. Moi, je pense qu'on va aller retrouver ma paillasse. Ça serait mieux si tu venais avec moi, par exemple. Je trouve pas ça très correct pour moi. Je pars souiller. Le matin, c'est déjà beau que j'y arrive. C'est quoi le programme de la journée, déjà? Vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais je suis assis à table, moi aussi. C'est presque fini, là. Non, pas presque fini, ça l'est. Il me restait deux lignes à zioter, c'est important, Léonie. Quand j'analyse les états financiers de la beurrerie ou bien du moulin assis de Squatec, je fais pas ça entre le verre de jus puis l'omelette espagnole. On court après moi pour que je le donne, ce rapport-là. Si c'est rendu que le parti des régions passe avant nos petits déjeuners, je suis pas d'accord. C'était une vraie corvée pour moi d'écrire un document pareil. Pourquoi tu l'as fait d'abord? Pour que ça tombe pas en queue de poisson avec le parti des régions. Il y a besoin d'un bon coup de pied au derrière si on veut que ça avance vraiment. T'es sûr que c'est pas d'autre chose dont t'as peur? Qu'est-ce que tu faisais? Que Marjolaine finisse par tasser Philippe, ce qui le ramènerait tout droit à ta belle quincaillerie toute rénovée. Je trouve que tu parles chinois, matin. Je traduis pourtant clairement ce qui est inscrit dans Rumeur publique depuis quelque temps. Même dans les journaux, il y en a qui gênent pas pour remettre en cause le leadership de Philippe, hein? Dans les pages réservées aux lecteurs, c'est plein de lettres qui vont dans ce sens-là. C'est un hasard, tu penses? Tu vas quand même pas me dire que tu soupçonnes Marjolaine de les écrire elle-même? Ce que je prétends, c'est qu'il n'y a jamais de fumée sans feu nulle part. Tu pourrais ajouter un petit post-scriptum là-dessus dans ton rapport, hein? Ils vivent l'imagination au pouvoir, hein? Faut pas dire le pouvoir de l'imagination tout court. S'il y avait moyen de parler aussi à Fellini, je serais pas contre. Ça va faire de sacrées belles images. You, Fellini. Je viens de perdre le focus.
C'est pour une bonne raison, j'espère. Si tu veux pas te retrouver au bic avec le ventre vide, serait temps qu'on se mette vraiment à table. Et ce que je vois devant moi, c'est pas fort pour la levée gustative. C'est quoi l'idée de parler maintenant comme Gabriel Lévesque? S'agousser la paroisserie, ça fait pas de mal à personne. S'agousser la paroisserie. Décidément. J'aurais dû suivre la première idée que j'ai eue en ouvrant les yeux puis me diriger tout droit vers le lac Sauvage. Si tu sors pas de là dans la minute qui vient, moi, je lève le flag. J'arrive, là. Qu'est-ce qu'on mange? De l'omelette morvasseuse. C'est quoi le gang? Rien d'autre que Fellini est devenu acadien. Hein? Pour un progrès, c'en est tout un. Moi, c'est bien simple, là. Je comprends plus rien. Te trouves optimiste avec toi-même pour dîner. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si t'admets aujourd'hui que tu comprends plus rien, ça veut dire que tout était clair pour toi avant. Dans ton cas, il me semble que c'est ce qu'on appelle prendre sa vessie pour une lanterne. Avec la jornique bouenne que t'as, oublie donc ça. Pense ce que tu veux de comment ça se passe dans ma caboche, là, je m'en sac. Explique-moi plutôt, c'est quoi le changement de vitesse que t'as fait depuis que Victorienne t'a reçu comme un chien héritier? Ouais, pas de quoi tu parles. Mais c'est pas pourtant baiser à l'œil nu que t'es plus sur la même traque. C'est rendu qu'ici dedans, là, tu prépares les repas, tu fais les lunchs, la vaisselle, le ménage. Au musée, tu déroules pas le tapis rouge pour chaque visiteur, mais c'est tout juste. C'est quoi qui se passe là-dedans? Quand un gars se rend compte qu'il agit tout croche, c'est le temps qu'il se reprenne en main. C'est ça que je fais. J'aimerais bien ça te croire, mais il y a comme une petite lumière rouge qui reste allumée quelque part. Hein? Ben, compte pas sur moi pour te courir après pour te l'éteindre. Hey, j'aimerais comprendre pareil. Toi, ta femme t'a lâché, puis ça t'a pas magané plus qu'il faut, parce que ça faisait ton affaire. On s'aimait plus. T'as pas broyé là-dessus jusqu'au jugement dernier, vieux bas de madrier? Vois-tu, c'est exactement ça la différence entre toi et moi. Dès qu'on s'est vu, ça a été comme écrit dans le ciel. Autant pour Victorienne que pour Bibi. Victorienne puis moi, on s'aimerait tout le temps, jusqu'à notre dernier souffle de vie. C'est ça la première fois qu'on a compris, tous les deux. Puis un sentiment pareil est aussi solide qu'une montagne de granit. C'est bien beau dans le principe, mais ça fait pas des enfants bien forts quand tu te retrouves tout seul dans ton coin, déplumé aussi bien de la falle que du croupion. Tu risques plutôt de ronger ton frein jusqu'au bout de la sature, hein? Ouais, ça sera pas mon cas, moi, je t'en passe mon papier de là. Pour que ça se raccommode dans le Victorienne, puis moi, je suis prêt à changer bout pour bout dans ma bougrine. Tu l'aimes à ce point-là? C'est le soleil de ma vie. Sans ce soleil-là, j'aimerais autant baisser le store pour de bon. Où c'est que tu vas? Travailler, c'est la fin. C'est pas encore là? Ah, peut-être pas pour toi, mais c'est mon cas, moi. Mais t'es pas obligé de me suivre, par exemple, hein? Le chemin pour me rendre jusqu'au musée, pas besoin de personne pour me l'épousseter. Ça pouvait être tout vrai, ce qu'il me dit, Marie-Victor. Ça me laisserait un peu de lousse d'un cordeau. Et un coup de madrier. Je me suis réveillé, je t'en voulais un peu de pas te retrouver auprès de moi. Mais en voyant ce que je vois, c'est plus le cas. Bouf, c'est seulement quelques notes qui me sont venues de même dans la tête. La belle lurette que je t'ai pas vue composer. Laisse-moi voir, là. Non. Hein? Ça m'excite. C'est jeté de travers sur le papier, ça parlerait tout proche. Bon, c'est correct. Je veux bien réprimer ma curiosité, mais à une condition. Quand on aura fini avec ton morceau de musique,
Tu vas me jouer de la première à la dernière note. Pff, tu risques d'attendre longtemps. Pas juste les doigts que j'ai le goût. C'est pareil là-dedans. Et pas d'inquiétude, pas une sacrée miette. Depuis le temps que j'ai laissé la composition de côté, on dirait que je sais plus la différence entre un dièse et un bémol. Excuse-moi. Ma tentation est plus grande que mon quimbé. Ben, je m'en occupe de ça. Je vais aller ranger mon cahier aussi loin que dans le salon, par le Avoir su que tu le prendrais comme ça, j'aurais laissé mon cahier entre nous deux. Non, c'est pas ton fût qui m'a chagriné. C'est que la création, ça a quelque chose de sacré. Quand t'es dedans, y a personne qui a le droit d'y entrer. Sinon, ça enlève le secret qui entre soi puis ce qu'on écrit. Ben oui, mais pourquoi t'avais l'air préoccupé d'abord? C'est le flash que j'ai eu pendant que t'allais au salon. La grande face blême de Marie-Victor qui m'est apparue. Ben, elle sait que la musique déraille, Il a ajouté quoi encore à son tableau de chasse? Rien, justement. Mais lui qui boquait sur le bac pour donner du trouble à tout le monde, le v'là devenu aussi serviable qu'une madame curée. Ça ne ressemble pas à tout de Marie-Victor que je connais. Il a peut-être enfin compris quelque chose, en tout cas par rapport à Victorienne. Et ça, justement, qui me chicote. Quand Victorienne les met à porte, là, j'attendais tout le monde à ce qu'il soit comme un yarbe dans l'eau bénite. Là, il serait devenu enfant de cœur que ça m'étonnerait pas. Il aime peut-être Victorienne autant qu'il prétend. Puis ce serait suffisant pour qu'il s'amende sans arrière-pensée. Ça s'est demandé pas mal un vieux pédaleur de Jodron. Allô? Non, c'est pas trop de bonheur pour appeler. Moi, ça va bien? J'espère que c'est pareil pour vous à Saint-Fabien-sur-Mer. Une minute, je vous le passe. Léon, il voudrait te parler. Je suis pas sûr que je suis intéressé. C'est peut-être quelque chose de positif. Après des mois de silence, là, je serais moi le premier surpris. Oui, je pense. Voilà. Bonjour, Léonie. Il doit vanter pas mal à Saint-Fabien pour que tu téléphones jusqu'ici. C'est pour de la marée haute, non de la marée basse. J'aurais préféré que ça puisse se faire avant cet après-midi, mais c'est impossible pour toi autrement, je peux le comprendre. Le plus simple serait que tu passes à Petrobasque, non? Merci, Antoine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas chaud. L'important, c'est que Paye ait accepté, Je suis pas encore certaine que c'est une bonne idée. D'autant moins que je dois voir Charles avant, ce que j'avais pas prévu. C'est peut-être mieux que ça arrive de même. Là. Charles est plutôt bon conseil, c'est en site. Mais pourquoi on le voit pas ensemble? Non. Ça mêlerait les cartes pour rien. À part ça, Marjolaine puis moi, on est déjà en retard pour se rendre chez Manu. Le jour où Charles nous met son rapport sur le Parti des régions, c'est pas le moment de le faire poireter. Si t'es prête, c'est temps de partir. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je m'en plaindrai pas quand elle va se retrouver derrière moi. Là, une fois que t'auras vu Charles pis pas, t'auras comme faire signe. Si on a un temps, Marjolaine pis moi, on ira te voir à Petrobasque, OK? Ça sera avec plaisir. Ça doit être Manu qui s'impatiente. Dis-y qu'on est déjà parti. OK? Pourquoi t'as raccroché avant que le monde te réponde? C'est d'abord ce que sa table qui m'importe. En attendant que Philippe et Marjolaine arrivent, on va s'en parler. Commence d'abord par le lit, on en discutera ensuite. Il faut que je m'en retourne au musée. T'as encore des problèmes avec ton prisonnier? Non, comme je ne tiens pas de n'avoir non plus, je m'arrange en conséquence. Attends une minute. J'ai autre chose à te demander. Fais ça vite, par exemple. J'ai appris, à travers les branches, que ça allait pas bien du bord de Rosaire-l'Évêque. Si tu penses à la pêche avec moi, tu te trompes, là. J'ai pas entendu parler de rien. C'est vrai que Léonie a tout fait pour que ça s'ébruite pas. En tout cas, à trois pistoles. Tu renotes à propos de quoi, exactement? L'information que j'ai eue, c'est que Rosaire s'est remis à boire. Puis que pas plus tard que la semaine passée, il s'est retrouvé à maison de Rimouski. C'est pas le premier alcoolique à qui ça arrive?
Léonie s'est déjà séparée une première fois d'avec Roser, précisément à cause de ce problème-là. Ça t'inquiète pas? Ma mère mène sa vie comme elle l'entend. C'est sûrement pas moi qui vais intervenir là-dedans. Une bonne fois, t'auras peut-être pas le choix. Essaye pas d'ouvrir des portes quand il y a même pas de bâtiment derrière. Et donc, tout ce que je viens de t'apporter, là, ça devrait satisfaire ta curiosité pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, bien possible que ça soit vrai. Mais demain, ça pourrait être une toute autre paire de manches pour pas mal de monde à part ça. En attendant, voyons voir la merveille concoctée par Charles. Je t'en ai d'attendre pour rien. Bouscotte, je vais te le ramener ici, moi. Puis par le chignon de la crème, s'il faut. On dirait bien que Mandoline a retrouvé tout son chien. Et le choc qu'elle a eu pour sa mère commence à s'estomper, je pense. Je croise les doigts pour que ça change pas de bord. Oh. Tant qu'il sera question d'un film, j'ai dans l'idée que le vent va continuer de souffler dans la même direction. Mais ça pourrait tourner court, par exemple. On est loin d'être rendu au Bic. Moi, ta belle-sœur, je la connais pas. Mais si t'étais arrivé plus tôt chez ma mère l'autre jour, tu l'aurais rencontrée. Elle est un brin spécial, mais elle aime tellement les enfants que Bouscotte et Mandoline sont capables d'y passer n'importe quoi. J'ai cru comprendre que c'est les anges qui attirent Bouscotte et Mandoline au Bic. Mais ce qui est pas, ça me gênait un peu. Pourquoi? Ben, j'ai lu comme tout le monde dans les journaux ce qui s'est passé à cause d'eux autres. Les anges. Victorienne n'y aurait probablement même pas pensé si Marie-Victor s'en était pas servie pour l'enfiropper. Ben, c'est du domaine privé, quand même. Même si Bouscotte et Mandoline font vraiment un film là-dessus, ça risque pas de se rendre jusqu'au Festival des films du monde. Puis en plus, si ça peut aider Mandoline à oublier un peu sa mère, c'est déjà quelque chose de positif, me semble bien. Je t'apporte encore un peu de café? Non, je n'ai bu de reste déjà. Si vous avez changé d'idée, je suis prête à aller vous mener n'importe où ailleurs. C'est tant que notre scénario est écrit. Pas question. Merci pour ce qu'il y a là-dedans. Je vais en tenir compte dans le générique du film. Ah ben, j'aimerais mieux que tu me remercies tout de suite. Là, par exemple. Moi aussi, d'abord. Ah ben. Tiens-leur les cordeaux serrés, par exemple. Hein? C'est toujours un peu épeurant quand Bouscotte part en pur. C'est de la calomnie. Ah, rien d'autre. Bonne journée. Même un projet de film, je pense que j'en ferai aussi mon affaire. C'est beau les enfants puis les business qui vont bien, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Ça prend du défi. Tout le temps du défi. Quand est-ce que je vais m'en trouver un qui soit vraiment à ma mesure? Quand donc? 2, 3, 4. C'est pas les gros chars, là, mais c'est déjà mieux que la semaine passée. Il y aurait pourtant moyen d'attirer autrement plus de monde, hein? Il reste encore un gros mois avant que le touriste disparaisse pour de bon. Pour ce que j'ai vu là-dedans, ça changerait pas grand-chose. Une saison mal engagée, tu reviens pas ça de bord comme une veste. Ah, mais si tu me laissais m'en occuper, je te prouverais le contraire. Il y a du monde dans le musée. Avant qu'ils mettent leurs empreintes partout, tu devrais aller surveiller. Ben, on s'est entendu à matin que c'était ta job pour la journée. 5 minutes. C'est le temps que je parle au beau-frère. C'est correct. Mais après ça, là, ton ticket pour ce bar ici est plus valable, par exemple. Pour le musée, oublie les bonnes idées que t'as. Je voulais d'abord réparer un petit oubli. Y a-tu moyen que tu sois plus clair? C'est pour le bris de la machine du beau-père. J'ai reçu une facture du mécanicien juste hier. Tu peux vérifier, tout est là. Si tu m'expliquais maintenant ce qui se passe là-dedans... J'ai rien expliqué. C'est juste revenu à normal. T'en fais un petit peu trop pour que je te croie. Quand quelqu'un se rend compte qu'il est en train de perdre sa femme parce qu'il agit toute croche, c'est le temps qu'il mette les briques. Moi, Victorienne,
Je l'aime. Puis je l'aimerai toujours. Il n'y a rien que je ne suis pas prêt à faire pour le prouver. T'as plus qu'une grosse côte à remonter. Je le sais, je m'arrangerai bien pour y arriver. Pour arriver à quoi? Salut bien, beau-père. Ça va comme vous voulez aujourd'hui? Oui, laisse faire, t'es si maigri. On envoie sur le fenil si je suis là. On parlait avec Charles de ce qu'on pourrait... Ben, je viens de te dire de déguidiner. Fait que fallait, maudite marde. Tu pourrais être plus compréhensif avec Marie-Victor. Les efforts qu'il fait. Oh, je les crois pas, ces efforts. Bon, pourquoi t'es bougon de même, là? Pas des mois de silence. Léonie veut me voir aujourd'hui. Ben assez pour que j'aie les oreilles dans le crin. Elle m'a donné rendez-vous, moi aussi. Je te dis pourquoi? Je devrais le savoir avant longtemps, mais maman attend déjà à quincaillerie. Je vais finir mon vernissage ici dedans, puis je te rejoins. Encore des mauvaises nouvelles, je mettrai le feu à ma main. Bien évidemment que je le ferai. Qu'est-ce que t'as à varloper le plancher de même? Je trouve ça excitant ce qu'il y a là-dedans. Charles a fait une sacrée bonne job, je trouve. Pourquoi t'en aurais douté? Parce que c'était pas évident avec les semblants de pistes qu'on y avait donnés. À part ça, j'avais pas l'impression que Charles prendrait la chose bien au sérieux. T'oublies que Charles a changé pas mal depuis quelque temps. Ben, grâce à ton aide, ça, je le sais. J'aurais pas été dans le paysage que les choses se seraient pas passées autrement. Tôt ou tard, l'homme d'action qui sommeillait en Charles se serait réveillé. C'était comme inscrit dans l'air depuis son retour. Ah, tu m'étourdis, Philippe Beauchemin. Viens donc t'asseoir. J'ai oublié mes cigarettes à Saint-Fabien-sur-Mer. T'es à 5 minutes de chez Charlot. Si ça peut arranger ton problème de la danse de Saint-Guy, vas-y donc. Il est excité pas ordinaire. Puis j'ai pas l'impression que ça concerne seulement ce qu'il y a là-dedans. Le feu aurait pris au chalet de Saint-Fabien-sur-Mer, que ça m'étonnerait pas. Pas de problème entre toi et Philippe, toujours. On pourrait pas demander plus d'harmonie. Ce serait pas possible. C'est donc dire que c'est Rosaire qui pose problème. Je ferais preuve d'indiscrétion si j'en parlais. Puis j'y tiens pas. Si je me fie à la rumeur publique, Rosaire aurait retrempé ses lèvres dans la dive bouteille. Ce qui l'aurait obligé à prendre une grave décision, celle de vendre ses entreprises. En quoi ça devrait affecter Philippe? Rosaire a déjà raconté à tout le monde qu'une fois libéré de ses centres commerciaux, il s'en irait finir ses jours en Europe. Si ça devait se concrétiser, Léonie pourrait devoir prendre elle-même de graves décisions très rapidement. Je la verrais mal rester ici à s'occuper de Petrobasque, tandis que son chum s'épivarderait sur la Côte d'Azur. T'en aurais pas entendu parler par hasard? Même si c'était le cas, je vois toujours pas le problème que ça pourrait causer à Philippe. Parce que tu connais mal Léonie. Petrobasque, ça a toujours été la grande affaire de sa vie. Ce serait impossible pour elle de s'en débarrasser sans que ça implique pas Philippe. C'est-à-dire? Pour le Parti des Régions. Ce serait pire qu'un coup de poignard dans le dos. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent tournerait en eau de boudin. Ça m'étonnerait que tu sois d'accord avec une telle éventualité. Même si je l'étais pas, comment tu voudrais que je réagisse? Hein? S'agit de la liberté de Philippe, pas de la mienne. De toute façon, moi, c'est au concret que je m'intéresse. On devrait s'en contenter tous les deux pour le moment. Tu penses pas? Le concret, t'as raison. C'est ça qui importe. Excuse-moi. J'ai eu un problème à régler dans le cours à bois. C'est pas grave, parce que ça m'a permis de me rendre compte de tout ce qui a changé ici-dedans. Je dois dire, ça m'impressionne pour la peine. J'ai pourtant rien fait de bien extraordinaire.
T'as dit si souvent que la quincaillerie t'intéresserait jamais que je doutais un peu de ton engagement. Mais ça me fait plaisir d'admettre que je me suis trompée. J'apprécie aussi que tu me le dises. Au timbre de ta voix, me semble deviner encore un peu de ressentiment. Même quand on l'assume, il reste toujours quelque chose du passé. J'ai été pour toi une si mauvaise mère que ça. Tu le sais que je l'ai longtemps pensé. Maintenant, ça ressemble à tout ce qui a été vécu. Ça s'escamote tranquillement. On est donc tous les deux aussi bien d'en rester là, hein? Puis d'en venir au pourquoi de ta visite. C'est quoi l'histoire avec Rosaire? Oh, parce que t'en as déjà entendu parler. Ben, entre les branches, comme toutes les fois qu'il y a une rumeur qui circule. Vaudrait mieux que tu m'expliques, non? Ces centres commerciaux vendus, Rosaire envisage d'aller vivre en Europe. Mon intention à moi, c'est de l'accompagner. Je pense pas que t'aies de permission à demander à personne là-dessus. Pour moi, non. Mais c'est pas la même paire de manches pour Petrobasque. Si je pars avec Rosaire, j'en fais quoi? Je suis quand même pas pour m'en délester au profit d'une grande compagnie étrangère. Ce serait absurde. T'as sûrement une solution de rechange. Hein? De quelle nature? Si Philippe était ni au parti des régions, ni député, ça poserait sans doute moins de problèmes. Mais les choses étant comme si, je vois mal comment ça pourrait l'intéresser. À moins que... À moins qu'il abandonne la politique. C'est ça que t'as dans la tête? J'arrive trop tôt. Je peux attendre l'autre bord. Non. T'arrives plutôt au bon moment parce qu'il y a une belle question sur la table. T'en penserais quoi, toi, si Philippe laissait tomber la politique? T'as entendu là-dessus avant de partir? Pas question de filmer quoi que ce soit avant d'en avoir eu l'autorisation. Il n'y a plus personne qui va à l'oratoire maintenant. Charles me l'a dit. Peut-être que ton père s'est trompé. La madame en noir, c'est Gabriel Lévesque. Arrête-tite, c'est pas pareil. Ça change rien pour la permission demandée. On y en parlera surtout pas à elle. On va aller voir Victorine à la place. Minute. Ça serait pas poli de pas attendre Mme Lévesque. Si c'est pas mon petit mécréant de trois pistoles, je veux bien être changé en statut de sel. Bonjour, jeune fille. Bonjour, madame. Je vous connais pas, mais gréé de deux garnements pareils, vous avez sûrement pas besoin de courir après les indulgences. C'est mon père. Thibert Thériault. Ça me fait plaisir, madame. Quand je saurai pourquoi vous êtes là, quasiment au milieu du chemin, peut-être que ça me fera plaisir à moi aussi. C'est pour un film. Moi, je m'occupe juste de grainer des petites choses. Pour les grandes, comme les films, c'est à l'intérieur qu'il faut s'adresser. On ne voudrait pas déranger, par exemple. Ça, on le sait après, jamais avant. Non. Faut d'abord promettre d'être poli. C'est certain qu'on ne cherchera pas d'indemnité, puis pas sur le plancher non plus. Hey! Apparence qu'on a des dessins de filmage pour aujourd'hui. Oh, c'est pas vraiment un film. Madeleine et moi, on a seulement besoin de prendre quelques images. Oh, mais c'est aussi simple que ça. Il n'y a vraiment pas de problème. La maison est à vous autres. C'est pas la maison qui nous intéresse. C'est les anges dans l'oratoire. Les anges dans l'oratoire? Vous voulez faire quoi avec eux autres? C'est un peu de ma faute. Vaudrait mieux que j'explique moi-même. Mais je devrais d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Thibert Thériault. Je suis le père de Mandoline. On a failli se voir l'autre jour chez Mme Bérubé à Saint-Jean-de-Dieu. J'ai tellement entendu parler de toi que j'ai l'impression que je te connais depuis toujours.
Mandoline puis Bouscotte veulent participer au prochain concours de vidéastes recherchés. Puis ça devrait parler du monde des anges à cause de l'information que je leur ai fournie là-dessus. Tu t'intéresses aux anges? Il y a plusieurs niveaux dans la réalité, dans ce domaine-là comme ailleurs. Mais ce serait pas la fin du monde si c'était pas possible. Oh ben non, il y a vraiment pas de problème. En autant que Gabriel vous accompagne, par exemple. Hmm? C'est pas nécessaire. Oh, un ange gardien, c'est jamais trop quand il faut traverser le chemin. C'est comme l'étoile qui guide le matelot. Faut suivre, ben aligné, chacun derrière sa chacune. J'étais en train de préparer des tartes. Non, je voudrais pas t'empêcher de continuer, mais je peux aller attendre dehors que Bouscotte puis Mandoline reviennent, si tu veux. Mais faire des tartes, c'est quelque chose que je peux faire aussi. Puis je serais même plutôt bon là-dedans. Ensemble, ça serait acceptable pour toi. Je sais bien que c'est ni à Charles ni à toi de choisir pour moi, mais je tenais quand même à vous en parler avant de proposer quoi que ce soit à Philippe. Il est en amour par-dessus la tête, aussi bien que Marjolaine que la politique. Parce que Charles a préparé un plan d'attaque. Faut que le Parti des régions s'implante partout à travers le Québec. Il me semble que tu choisis mal ton moment pour tout te faire voler en l'air. Mais c'est pas mon intention. Sinon, je vous en aurais pas parlé, ni à Charles, ni à toi. T'es pas encore au monde. Que déjà, tu rêvais de le voir député, sinon ministre. Mais dans un vrai parti. Pas dans une formation politique qui risque de se retrouver au point mort n'importe quand. C'est ce que les derniers sondages prédisent, d'ailleurs. Non, c'était pareil quand tu as fondé le Parti des régions. Il n'y a pas un partisan, même un électeur, qui aurait gagé sur lui. À commencer par toi, si je me souviens encore de ce qu'on a vécu à ce moment-là. Hey, si tu veux déterrer le passé, je suis capable de le faire, moi aussi, hein? Bon. Pas question que ça s'en aille par là, là. Je te remercie de nous avoir mis au courant, papy et moi. Mais c'est quelque chose qui concerne d'abord Philippe. Hein? C'est à lui que tu dois en jaser d'abord. Sinon, tout le monde risque de se retrouver deux pieds dans l'eau pour rien. Merci de m'avoir écouté. Je te remercie aussi, même si t'es pas d'accord. Ouais. Quoi? C'est pas la peine de te fâcher. Quand je reviens mon quatre pots de bord, on gêne pas pour me le dire. Mais je fais pareil, maudite marde. J'aimerais mieux que tu t'en ailles pas de même, là. Une grande bolée d'air frais. C'est tout ce que j'ai besoin pour le moment. Dans le deuxième rang de préférence. C'était trop beau pour que ça continue. Je sais bien d'y voir avant que les flamèches se mettent à voler de tout bas du côté. Pourquoi vous retournez pas voir Thibault et Victorienne? Quand les gens ont besoin de parler, le respect de ça, faut pas passer à côté. Ça devrait être pareil pour ceux qui font des films. On devrait leur laisser prendre les images qu'ils veulent sans les déranger. Je veux bien aller faire un tour dans le jardin, derrière l'oratoire. Mais avant, vous allez me promettre d'être précautionneux avec tout ce qu'il y a de sacré ici dedans. Jurer de cracher. Croix de bois, croix de fer, jurer de cracher. Prenez note aussi que je peux revenir n'importe quand. Oh, c'est pas nécessaire. Notre parole, on vient de la donner. Je pensais qu'elle s'en irait jamais. Arthur, profitons-en. Toi, tu t'occupes du CD, puis moi, je me prépare. Quand je suis prête, je te le dis, tu commences à filmer. Crains pas, je passerai pas à côté. Quand t'es prêt, ça roule! Je suis un ange qui filme à gagner pour ordinaire. J'en souffris un grand coup dans le dessous de ma corporation. Pour que c'est faire que c'est mal beurré de même.
Je vais maintenant vous l'explicationner, que ça prendra pas gouttinette dedans la canisse. Avant d'avoir le ramage tout déplumé, puis de m'abrier dans le secteur à mort, j'étions Lucifer, le roi des enfers. J'en somme encore plein de lui dessous ma bougrine. Je vous montrerai rien pour voir. C'est un sacrilège. Un véritable sacrilège, bonne sainte mère de Dieu. C'est drôle, hein? C'est Antoine qui est assis dans balançoire. Mais je sais pas pourquoi. C'est comme si c'était toi. Moi aussi, ça me rappelle plein de souvenirs. Quand tu venais me voir à l'époque que mes parents vivaient encore, t'entrais jamais dans la maison en arrivant. Tu t'assoyais dans balançoire. Puis t'attendais que j'aille te retrouver. C'était juste apaisant. Il y avait le soleil qui tombait tranquillement devant. Il y avait la musique que ta mère jouait au piano. Puis toi, tu survenais dans une petite robe, toute fleurie. Ça faisait du bien à voir, parce que... c'était simplement sensuel. T'as l'air plus heureux aujourd'hui, par exemple. Je pourrais difficilement me plaindre de ma vie. Ça m'étonne quand même un peu que tu prennes autant de plaisir à gérer tes affaires. Pour le moment, c'est vrai que c'est le cas. Mais avec l'annonce que ma mère vient de nous faire, là, ça risque peut-être de changer tantôt. Surtout pour lui. Oui. Juste à sa façon d'être assis dans le balançoire, c'est facile de deviner que c'est déjà fait. C'est... il a mis bien du temps à se réconcilier avec Philippe. Avec la possibilité que ma mère se départisse de Petrobasque pour suivre aux airs en Europe, le château de cartes risque de s'écrouler quand... Pourquoi c'est un reclin? Tant qu'à parler de Philippe et Petrobasque dans mon dos, on va le faire tous les trois ensemble. Il y a moyen de savoir aussi que j'en étais rendu, là. Oui. C'est ma gloire Saint-Jean qui m'a appris à regarder le fleuve. C'est lui aussi qui m'a fait découvrir mes premières fins des neiges chez Batture de Kamouraska. Avant, juste de voir de l'eau, ça me faisait peur. Pareil pour les oiseaux. Je veux dire, ceux qui prennent vraiment de la place dans le ciel. On a tout un chacun peur de quelque chose. Moi, c'était les chevaux. Dans la rivière du Loup, il n'y en avait pas beaucoup quand j'étais petit. Mais chaque fois que ça m'arrivait, c'est pas le cheval qui prenait le moreau dedans, mais moi... pour plus avoir peur, j'ai acheté une terre dans le rang des bœufs à Saint-Paul-de-la-Croix. Puis j'ai mis plein de chevaux partout dessus. Avant, quand j'étais enceinte, je venais souvent ici. Je me disais que l'enfant que j'aurais serait sûrement un navigateur. Juste pour me montrer que j'avais pas raison dans ma crainte de l'eau. Cette heure, je sais que l'enfant que je porte aura pas une idée comme celle-là. L'eau, ça sera rien de plus que naturel pour lui. Mais des fois, j'ai encore peur de me tromper. Si j'en juge par ma fille, Madeleine, ça devrait pas être le cas. Les chevaux, c'est comme si ça faisait partie d'elle. Est-ce que je peux te poser une question? J'arrive ici sans prévenir. T'acceptes que Bouscotte puis Madeleine prennent des images d'un monde dont je savais rien? Puis tu nous offres même qu'on mange ensemble? Quel rapport avec la question que je t'ai dit que je voulais te poser? Ben... quelqu'un qui est capable d'être aussi généreux, il me semble que c'est son droit de demander ce qu'il veut. C'est quoi? Est-ce que t'es heureux? Je pense que je suis comme toi. Je pense que je viens de traverser des moments plutôt durs. Mais même pendant que ça se vivait en moi, la lumière qui scintille là... a jamais arrêté de briller. J'imagine que c'est pour les mêmes raisons que toi. Parce qu'il suffit d'aimer la vie. Non. Non, c'est pas vrai ce que je dis.
Non, c'est d'abord la vie qui nous aime. Et puis ça, c'est tellement fort que même une tornade peut pas passer au travers. C'est bizarre, mais... j'ai l'impression que je te connais depuis toujours. Comme si t'avais toujours été là, quelque part en dedans de moi. C'est pareil. Dans tout mon corps, c'est pareil. C'est comme si j'avais vécu toute ma vie juste pour me chier dans tes bras. Excuse-moi. C'est sorti sans même que j'y pense. Pas besoin de penser quand c'est vrai de même. Parce que moi, je le sais déjà. Je sais déjà que je t'aime, puis que c'était là avant même les commencements du monde. J'ai le goût que tu m'embrasses. Si tu savais comme j'ai ce goût-là, moi aussi. Plus de temps que prévu pour endormir les jumelles. Avec un bon verre devant soi, le temps n'a pas d'importance. Pense pas la peine. Assis-toi, puis discutons plus tôt. Je te l'ai dit tantôt que je voulais pas me mêler des affaires de ma belle-mère. Je t'ai répondu là-dessus que je te croyais pas une sacrée miette. Ben, c'est le cas pourtant. Essaye pas de me faire croire que t'as relégué quelque part dans un petit coin de ta tête l'idée de vengeance qui t'habite depuis que t'es au monde. Charles, je l'aime peut-être plus que je le pense moi-même. Pourquoi cette réalité-là empêcherait l'autre? Pour en juger vraiment, de toute façon, il te manque sans doute quelques éléments de base plutôt importants. À quoi tu fais encore allusion? Si Charles était pas l'homme que t'imagines, tu pourrais te réveiller un bon matin avec de la bien méchante surprise. Les paraboles pis moi, on n'est pas du même bord des choses. Depuis que Charles est revenu aux trois pistoles, tout le monde a l'impression qu'on peut le manipuler comme si de rien n'était à cause du petit côté bonasse qu'il s'amuse à cultiver pour amuser la galerie. Dans le fin fond du panier, c'est peut-être lui qui, mine de rien, contrôle vraiment le jeu. Ça serait prêter une ambition que même toi, t'es pas prêt à y accorder. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Ah, ben réfléchir, c'est pas des preuves. Ben évidemment, comme dirait l'autre. Mais... de la mort de Charles pour toi, en es-tu parfaitement persuadé? Si la véritable femme de sa vie était Mélina, t'en penserais quoi? Qu'est-ce que tu me chantes là, non? Que Mélina a passé 5 ans de sa vie à Montréal pendant que Charles s'y trouvait aussi. De quoi expliquer que son retour par ici est probablement moins innocent qu'il prétend lui-même? J'ai aucune raison d'avaler une couleuvre pareille. C'est pourtant la vérité dans ce cas-là de plus limpide. Regarde. Tout est là. Je pense bien. T'es là. Le monde va maintenant savoir comment je m'appelle. Pour ça, ils vont le savoir, puis à ma façon, à part ça. Michel Desautels, Marie Laberge et la sympathique auteure Marguerite Lescope dévoilent des aspects étonnants de leur personnalité au Détecteur de mensonges, demain 17h30, Maritime 19h30. Ce soir, à Enjeu, avons-nous perdu la guerre contre le cancer? Un reportage que vous propose Alain Gravel dans un instant.